Donc c'est la nuit des étudiants. En fait, il y a eu un appel à projet il y a un moment. Katie, Zoé et moi, ainsi que Fiona qui n'est pas ici pour le moment, on est en Master 2 Technologie Numérique. Et du coup, en fait, on a voulu répondre à l'appel de projet de la nuit des étudiants en faisant un projet vraiment axé sur les technologies numériques. Et on s'est dit, vu que le thème c'est les liaisons dangereuses, pourquoi pas faire un site internet de rencontres amoureuses. En l'occurrence, les gens ne rencontrent pas une personne, en fait, ils rencontrent une toile du musée. Avec Perrine, on est en deuxième année d'histoire de l'art à la Cato et en fait on est venu ici en début d'année pour que une médiatrice nous présente le projet de la nuit des étudiants. Et donc elle nous a présenté le projet, comment c'était déroulé l'année dernière. Et donc on a trouvé le thème cette année intéressant. Perrine a eu une idée au départ et on a mis en place au fur et à mesure et on a envoyé notre projet assez rapidement, enfin notre candidature, et elle a été retenue. Et on s'est promené dans le musée et on a vu les deux portraits à côté. Et on s'est dit, ce serait intéressant de faire une conversation entre les deux personnes. Et comme on voit qu'ils ont une différence de classe sociale, on s'est basé là-dessus. Au départ, on pensait juste faire une conversation entre les deux. Et au fur et à mesure de la réflexion, on s'est dit, on va présenter différentes œuvres du musée sur Tinder et les faire défiler, il y a un match et la conversation s'engage et ils se rendent compte que finalement ils ont trop de différences et ça fonctionne pas entre eux. Le thème de la soirée c'est liaison dangereuse et du coup on a tout de suite pensé à la menthe religieuse, aux insectes et à ce côté agressif un peu. Le fait qu'elle dévore son mari après l'accouplement. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur quelque chose qui d'aspect paraît beau et attirant, mais en fait cache quelque chose de très dangereux. Voilà.